Donc le remède qu'avait trouvé Reynolds des Emérys, ou plutôt qu'on attribue à M. Poussard, mais que les Suisses avaient trouvé, et puis que je pense ce remède date de la nuit des temps, puisqu'en fait c'est mécanique, à partir du moment où on coupe tout sur le dessous fonctionne. Donc en fait c'est des observateurs, des gens qui ont cherché à trouver une solution à ce problème-là, qui ont produit ça. Sans doute que quand même, ça a plus été mis en évidence à partir du moment où M. Guyot a lancé cette idée de taille Guyot. Parce qu'avant, tout le monde taillait à peu près en gobelet ou en palmette, mais même pas en palmette, à peu près tout le monde en gobelet. Il y avait quand même une taille un peu plus ancienne qui ressemblait finalement à une espèce de Guyot palissé. C'est une taille qui se pratiquait il y a encore pas très très longtemps, si quand même un peu longtemps, mais dans l'Aveyron et on m'a dit aussi en Moselle. C'était une taille en fait où on avait une taille à côte, mais juste un seul côte qui tous les ans vous fabrique une baguette et un côte. Et donc la baguette, hein ? Donc une taille à deux yeux, mais deux yeux, sauf que la baguette, elle est redescendu et réattaché en dessous sur et tenu par un échalas. Donc tous les ans, on se retrouve avec comme une espèce de guyot qui est attaché sur lui-même. Et donc c'est comme c'est bizarre parce que c'est un guyot sur échalas quelque part. Vous comprenez? Donc tous les ans, ici, on a la baguette et on a la baguette de l'année prochaine, le code de l'année prochaine et la baguette de l'année prochaine. Et donc là, c'est une taille qui n'était pas inintéressante parce que finalement, c'est pareil, de la même manière, on pouvait laisser ça droit et attacher une fois que le gel était passé. Et puis en plus de ça, on se retrouvait avec la répartition des grappes qui était relativement exemplaire puisqu'on avait une grappe là, une grappe là, une grappe là, une grappe là, une grappe là. En quelque part, c'était très, très ouvert. Il faut imaginer ça en 3D sur le dessus et c'était assez ouvert. Donc, on voit cette taille-là encore un peu, encore un tout petit peu à Marcillac sur du fer Servadou ou d'Ibrocol aussi. Donc c'est un cépage qui est assez rigide et qui tient bien ses sarments. C'est pour ça que ça pouvait sans doute tenir. Pour moi, c'est pas une mauvaise taille, mais je pense que le phénomène d'acrotonie faisait sortir davantage le haut et en même temps, ça allait bien au fer Servadou parce qu'il est quand même peu fructifère sur les premiers yeux. Et je pense que c'est pour ça que ça avait été inventé, ces genres de tailles, c'est parce que ben, le Guyot, ça résout le problème des cépages peu fructifères sur les premiers yeux, en quelque part. Donc là, l'idée, c'est de se dire que pour nous, ce qui nous concerne sur les tailles Guyot, que l'on fasse un Guyot d'ailleurs Poussard avec systématiquement un côte ou qu'on travaille sur plus une latte sèche, on va se retrouver systématiquement à faire en sorte d'avoir un flux continu de la base jusqu'aux bourgeons qui nous font l'allongement du bras tous les ans, hein, d'accord. Et donc on voit bien là sur ce dessin là que la dernière couche, la couche de 1 an, elle est connectée directement à notre courson. Et donc ça c'est important ce schéma là de comprendre que dès qu'on fait des plaies sur des bois plus importants, c'est à dire qu'on va directement, si je tape sur le bois de 2, 3 ou 4 ans, eh bien, je vais directement impacter une compartimentation totale et une décomposition du bois sur tout l'intérieur quoi, de la plante. Elle va devoir abandonner tout l'intérieur. L'idée, ça serait d'essayer déjà pour limiter les problèmes de circulation de sève, qui sont le principal problème, hein, davantage encore que le problème de réserve, de se dire que tous les ans, on allonge. C'est inéluctable puisque la plante elle fonctionne comme ça de base. Mais bon, si on peut essayer de conserver des réserves, c'est mieux. Si on peut essayer de ne jamais revenir, même si on garde un flux de sève cohérent, si on peut essayer de ne jamais revenir, c'est mieux. Et on va en rediscuter de l'impact des réserves, mais vous allez voir que quand même, on a intérêt à essayer de le faire le plus rarement possible en fait. Ou essayer de le grouper et se dire, bon, je vais le faire globalement sur ma vigne, mais peut-être deux fois dans la durée de ma vigne, mais jamais plus, parce qu'en fait, dès qu'on le fait plus, ça se passe mal. Ici, on voit que justement, c'est pas super joli, hein. Il y a vraiment plein de bois morts sur le dessus et le flux de sève sur le dessous, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme, mais il est vraiment continu. Il n'est pas gêné par des plaies sur le dessous. Celui-ci, là, paraît plus compact, contenu. D'ailleurs, avant de l'ouvrir, on ne voyait pas qu'il était comme il est là dedans.
On a peut-être un pourcentage de bois vivant quasiment similaire à celui-ci. Le problème, c'est que ce bois vivant, la plupart du temps, débouche sur rien. Si on regarde ici, ça, ça débouche sur à peu près rien. Donc, en fait, le risque, c'est quoi? Si on a un flux de sève qui débouche pas sur le bout, on va avoir des pampres, en fait, ici. Puisqu'en fait, cette partie-là ne débouche sur rien. Celle-là, c'est la même chose. Donc, en fait, ça, le fait de fluidifier la circulation, ça permettrait justement d'éviter d'avoir tout le temps des pampres qui sortent dans des endroits qui ne sont pas souhaitables. Le fait d'avoir quelque chose qui accompagne le flux jusqu'au bout, quoi. Il faut imaginer quand même qu'en grossissant, tout ça, ça va mal se passer. Et vous commencez, j'imagine, à en avoir l'idée. Donc, la stratégie de se dire qu'on fait toujours par le dessous, elle n'est pas si simple que ça. Parce qu'on a plusieurs cas de figure. On a plusieurs cas de figure et ces cas de figure-là, on va pouvoir les retrouver sur ce schéma. Les cas de figure principaux, si on fait par exemple justement une taille avec des côtes. Côte et astes, systématiquement, il y a un côte. Donc, à chaque fois qu'on fait un allongement, il y a un côte. Ça peut être un guyot simple, un guyot double ou un guyot mixte. Tant qu'on y est, on pourrait vite fait caractériser qu'est-ce qu'un guyot simple, un guyot double ou un guyot mixte. Un guyot simple, c'est un guyot avec une seule baguette. Donc si je dessine un guyot simple qui a un peu d'âge, je devrais avoir quelque chose de ce genre-là. Si j'ai qu'une seule baguette, ok. Si j'ai un courson qui me fait tous les ans ma baguette et mon courson pour l'année prochaine, on peut se dire que je peux avoir un guyot simple de cette manière-là avec tous mes bras qui avancent tous dans le même sens. Ça, c'est absolument envisageable comme ça. Quand j'ai un guyot qui a une forme comme ça, avec la baguette, le plus beau bois, et puis un courson dit de retour pour fabriquer, pour être à peu près sûr de fabriquer une baguette l'année prochaine, ça, c'est pas un guyot simple. Ça, c'est un fonctionnement qu'on pourrait qualifier un peu comme on fait sur les platanes, là, de tête de chat, quoi. C'est quelque chose ça sort de manière relativement aléatoire. Le courson, vous ne le fabriquez pas. Vous choisissez quelque chose qui va faire le courson. Vous ne choisissez pas où il va être l'année prochaine. Donc, ça fait quelque chose de manière aléatoire. Et c'est ces plats qui posent problème parce qu'on va se retrouver souvent avec une succession de plaies de taille qui fait que la circulation de la sève va être de plus en plus compliquée pour aller alimenter les bois à fruits. Alors que ici, si on arrive à grouper toutes nos plaies sur le dessus, on sait que l'alimentation en sève, elle est garantie sur le dessous. Puis on a le guyot mixte. Le guyot mixte, c'est une taille où on a forcément une baguette aussi, mais cette baguette-là, un coup on la met d'un côté et un coup on la met de l'autre côté. Ça veut dire que d'un côté on a au minimum un cote. Ce cote nous fait un cote pour l'année prochaine et une baguette pour l'année prochaine, voire qu'une baguette. Et de l'autre côté, on a au minimum une baguette. Et sur cette baguette, si on n'a qu'une baguette, il faut qu'on ait un cote et une aste, ou alors simplement une aste et elle est sur le dessous. C'est-à-dire qu'on va toujours prendre l'aste sur le dessous. Ou alors, on a un cote qui nous fait un cote et une aste. Juste un cote pour l'année prochaine, puisque l'aste sera là. Et tous les ans, on alterne la baguette. Une année, on le fait de ce côté. Une année, on la fait de ce côté. Le gros avantage de cette taille-là, c'est que les bois du cote se retrouvent seuls d'un côté une année. Alors qu'ils ont fait la baguette l'année dernière. Donc, vous avez un flux de sève qui est dynamique de ce côté. Et donc, cette dynamique-là va permettre d'avoir des beaux bois à coup sûr pour l'année prochaine. C'est ça l'avantage qu'on a d'alterner la baguette. Vous comprenez quand je dis ça? Le cote ici se retrouve tout seul alors que l'année dernière, il avait fait une baguette. En se retrouvant tout seul, on est sûr, l'année suivante, en enlevant la baguette, d'avoir un bon flux de sève qui alimente de manière très efficace le cote, qui fait que vous avez un super cote pour l'année prochaine et une super baguette pour l'année prochaine. Ça, c'est l'avantage qu'a cette taille-là. L'inconvénient qu'elle a, c'est que forcément, au bout d'un moment, on a tendance à s'étaler et donc à créer des fenêtrages. Hein, ça pose problème, donc, parce que qui dit fenêtrage dit entassement systématiquement à côté, quoi. Un fenêtrage et un entassement, c'est un peu... ça va dans le même sens. Ça risque d'aller dans le même sens. L'avantage du guyot simple, elle est que finalement, si toutes mes plantes avancent dans le même sens, eh bien, je vais me retrouver toujours avec la même distance entre les ceps, ici et ici. J'ai la même distance, donc j'ai toujours la même place pour laisser la baguette. Si tout le monde avance dans le même sens, j'ai que le pied du rang qui commence à sortir du rang, le pied du bout du rang.
Donc en fait, c'est pas grave. Donc il y a vraiment un avantage comme ça. La baguette, en plus, sur le guyot simple, vous n'êtes même pas obligé de la plier toujours dans le même sens. Vous pouvez tout à fait, et vous avez tout à fait le droit, de la plier en sens inverse. Si vous la pliez en sens inverse, on va se retrouver un peu dans la même situation qu'ici, avec un courson qui se retrouve seul avec deux bois qui vont pouvoir être très bien orientés, puisque la fructification est de l'autre côté. Et donc si je fais ça tous les ans, ben, je me retrouve aussi avec la même place à chaque fois, et toujours des coursons qui font des beaux bois pour l'année suivante. Moi, pour moi, cette taille-là, c'est la plus simple et la plus directe et efficace. Parce qu'on n'a pas peur de l'allongement, puisque tout le monde s'allonge. Tout le monde s'allonge dans le même sens. Donc, on n'a pas de problème d'entassement de végétation. Et on n'a pas deux côtés à gérer. On n'a pas deux côtés. Alors, souvent, on me dit, oui, mais alors l'équilibre des flux de sève, là. Mais en fait, je pense que la vigne, elle s'en fout à peu près de l'équilibre des flux de sève, puisque une treille que l'on plante dans un coin de bâtiment et qui fait 25 mètres, elle n'a pas forcément d'équilibre des flux de sève comme on l'entend. Et en fait, c'est l'équilibre des flux de sève, il est valable quand vous avez créé deux bras et que vous enlevez un des bras, là c'est problématique. Mais si dès le départ, vous avez des bras, un seul bras d'un côté, ça ne pose pas de problème. C'est des bois qui sont coupés, donc on ne travaille que sur un an. Voilà. Donc la sève, elle n'a pas le temps de se figer. Quoi. Ça prend le virage, quoi. Il n'y a aucun problème. Ça prend le virage. Et puis après, vous avez le guyot double. Le guyot double qu'on voyait hier dans les cabernets en bas. Ce guyot double-là, c'est exactement le même genre d'architecture que le guyot simple. Simplement, chaque année, on va faire une baguette de chaque côté. Cette taille-là, donc on est offert au moins une baguette de chaque côté, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est double. Et puis, si on veut sécuriser la sortie des bois pour l'année prochaine, on va faire un courson de chaque côté. Mais c'est quand même assez mal adapté à faire ce genre de taille. Parce que de fait, déjà de faire un courson de chaque côté, on a déjà 4 œils francs. Et le reste, ce qui va nous rester sur les baguettes, ça fait quand même des baguettes avec peu d'yeux. Si on est limité à 10, par exemple, ça veut nous faire que deux baguettes à 3 yeux. Et donc avec un entassement de raisin Pas nécessairement, puisqu'on peut très bien ébourgeonner le 1, le 2, le 3, et puis partir sur le 4, le 6 et le 8, par exemple. Et donc on peut avoir les deux bois du courson, le 4, le 6, le 8. Donc ça fonctionne plutôt pas trop mal. Hein, le fait d'avoir ces baguettes-là, ça fait des baguettes avec peu de bois. Finalement, et dans le Médoc, eux, leur guyot double, ils le font sans courson, et ils le font assez compact avec simplement deux astes sèches, qu'ils disent. Deux astes sèches, et donc, ils ont des cèpes qui ont plutôt tendance à avoir un port un peu plus érigé. Vous allez voir, c'est du fait de faire des astes sèches et aussi de travailler un peu sous forme d'arcure. Et tous les ans, ils prennent l'aste, et sur cet aste, ils vont laisser 4 bourgeons, par exemple, hein. Et ces 4 bourgeons vont être posés comme ça. Donc tous les ans, on a un peu ce comportement-là. Et là, le risque juste de cette taille-là, c'est comme on a de la crotonie, si on ne fait pas démarrer celui du dessous systématiquement ici, on fait non seulement on allonge de 10 cm régulièrement, et c'est bien ça leur problème, et en plus de ça, on va se retrouver avec souvent une plaie qui va être à l'envers. C'est pour ça qu'on les retrouve souvent avec un angle assez ouvert comme ça. On va se retrouver avec une plaie à l'envers parce que si on garde celui-là pour faire la plaie l'année prochaine, au lieu de faire une plaie sur le dessous, on fait une plaie sur le dessus, comme d'habitude, toutes les plaies étaient sur le dessus, on fait une plaie ici sur le dessous mécaniquement. Donc la circulation de sève ici doit faire le tour de la plaie pour alimenter notre futur. En fait, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de faire en sorte et de s'assurer. Parce que en fait, il y a plus de risques. Vous comprenez qu'il y a plus de risques. Comme c'est acrotone et que sur le sarment, c'est plutôt le bout qui a tendance à être dynamisé, le risque, c'est qu'on ait des allongements. On l'a bien vu hier, sur une ou deux, là, on le voyait deux fois d'allongements comme ça. Mais c'était lié à ça, en fait. C'était lié au fait que la base n'est pas sortie. Mais ça peut être un accident.
c'est pas nécessairement une erreur, ça peut être des accidents. Mais ces accidents-là, à chaque fois, ils vous coûtent très cher parce que paf, ils vont allonger d'un coup. Donc comment on peut sortir de ce système-là, enfin de ce problème-là? On peut en sortir, j'ai réfléchi à ça pour le château Mazères à Pomerol, qui veut absolument pas faire de courson parce qu'il a peur d'entassement de végétation avec le courson, ce qui peut se comprendre. Donc on a réfléchi et on s'est dit que ce qui était le plus important, on en reparlera, mais c'était l'adéquation avec le palissage. Si on a un palissage qui est bien positionné en hauteur, les baguettes, on va pouvoir les prendre sur le dessous, les remonter droite et après les faire aller horizontales. Donc ils enroulent sur le fil maintenant. Ils avaient décidé d'arrêter d'enrouler sur le fil et on s'est aperçu que c'était vraiment moins bien parce qu'on n'arrivait jamais, même avec plusieurs agrafes, à tenir la baguette de manière aussi efficace qu'à l'enrouler autour. C'est pénible au tirage des bois, mais ça tient et c'est efficace. Oh, 1 mètre, ça va, parce qu'en fait, du coup, tu mets qu'un lien au bout. Faut faire le tour. Hein ? Dans le muscadet, c'est comme ça. Mais là, l'avantage de ça, c'est qu'on se retrouve avec une ligne très rigide, très régulière, et ça améliore l'homogénéité de sortie des bois sur la baguette, hein, mécaniquement. Et donc, le fait de faire ça, d'avoir une espèce de coude, de cassure comme ça, ce que l'on fait là-bas, c'est qu'on laisse, sans abîmer la baguette non plus, hein, on laisse le premier, on laisse le second, on ébourgeonne le 3, on ébourgeonne le 4, et après, on laisse la fructification sur les yeux du dessus. Le fait de faire ça et d'avoir le fil à la bonne hauteur, ça fonctionne. D'accord ? Mais c'est quand même hyper précis. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir le fil à la bonne hauteur, parce que si on a le fil bas, ici, et bien en fait, la baguette, quand on va la plier, elle va pas du tout prendre cette forme-là. Elle va avoir tendance à prendre cette forme-là, classiquement, hein. Et en prenant cette forme-là, et bien à peu près systématiquement, le bourgeon du bas ici sort mal. Le fait de ne pas l'avoir redressé, il a tendance à mal sortir et on se retrouve avec des bois sur le dessus, et le premier bois sur le dessous se retrouve vraiment à un endroit où il ne faudrait pas. Donc ça pour être... je ne dis pas que ça ne fonctionne pas certaines fois, ça fonctionne d'ailleurs probablement plus que 5 fois sur 10, ça doit fonctionner peut-être 6 ou 7 fois sur 10, mais un tiers des pieds sur lesquels ça ne fonctionne pas, ce n'est pas souhaitable, hein. c'est pas valable, on peut pas l'accepter, quoi. Si on fait cette taille sur côte pour essayer de grouper les plaies de taille du même côté, on va se retrouver avec des fois avec le côte, avec le premier œil franc en dessous et le deuxième œil en dessus. Ça, c'est le bon cas. On va se retrouver très facilement avec le côte de l'année prochaine avec la flèche rouge et la baguette de l'année prochaine avec la flèche verte. L'année d'après, ben, on enlève la baguette et on se retrouve avec les plaies toujours sur le dessus. La baguette de cette année sur le dessus, la baguette de l'année prochaine sur le dessus. Certaines fois, on a le premier œil qui est sur le dessus. Et ça, c'est problématique, puisque du coup, ça produit un allongement plus important. Puisque le premier œil, il est sur la deuxième. Donc là, soit vous acceptez d'avoir la baguette avant le courson, donc ça, c'est polémique, hein, soit vous ébourgeonnez le premier et vous faites votre baguette après. Donc là, vous vous retrouvez toujours à choisir le premier œil franc en dessous pour faire le prolongement. Donc vous continuez à faire des plaies sur le dessus, que ce soit ici ou que ce soit ici, hein. Même si j'enlève la baguette l'année prochaine ici, j'enlève la baguette entièrement, je fais encore ma plaie sur le dessus. On pourrait se dire que quand on est dans ce cas-là, on pourrait faire sortir le bourrillon. Mais le problème de faire sortir le bourrillon, la plupart du temps, c'est que le bourrillon, il se retrouve mal positionné. Et donc, la pousse, elle se retrouve soit à pousser dans le rang, soit à pousser vers le bas. Et donc, on n'a pas quelque chose d'homogène, quoi. On est tout le temps contraint. Donc, choisir le bourrillon, c'est pas un bon choix. Il y a certaines fois où ça va marcher, mais c'est que des choix où le courson ne sera pas orienté comme ça, mais très vertical. Et dans ce cas-là, on pourra choisir le bourrillon, mais c'est le seul des cas où on peut choisir le bourrillon. Donc on ne peut pas décemment continuer à choisir le bourrillon. Donc forcément, ben, ça produit de l'allongement un peu tout ça. Ici, on est au minimum d'allongement qui est tolérable et possible. Finalement, si on se retrouve à avoir dans la plupart des cas le premier œil franc sur le dessous, on allonge quand même que très peu. C'est vrai que sur certains cépages, le deuxième œil, il est des fois un peu loin.
et on a tendance à allonger un peu plus. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut continuer à faire toutes les plaies du même côté, on n'a pas vraiment le choix. Il n'y a que cette solution-là qui permet de le faire. Cette solution-là, par rapport à celle-ci, donc celle-ci vous permet de conserver cette ancienne recette qui est dit jamais vous mettez le courson après la baguette. Toujours le courson avant. Ça vous permet de conserver cette ancienne recette. Mais moi, cette ancienne recette, j'en fais pas cas. J'ai observé que sans doute, elle est valable dans certains cas pour des raisons qui sont autres que celles qui me gênent moins. Elle est valable parce que dans la plupart des cas, le courson, quand on le met après la baguette, les bois du courson se retrouvent au milieu des bois de la baguette. Donc déjà, c'est gênant pour ça. Mais en fait, c'est probablement pas. Il y a d'autres raisons là que j'ai pas en tête, elles vont me revenir après. Mais c'est probablement pas pour la raison qui nous pousserait à penser que le courson va être moins bien alimenté. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui sort, le courson fait quand même un bois convenable la plupart du temps. Et donc, comme c'est lui qui est le plus loin, bon, c'est sûr que quand on le choisit ici. Le bois de la baguette est avant le bois du courson, mais en même temps, le flux de sève qui est tout le temps sur le dessous, il est direct sur le dessous, sur l'œil ici. Donc savoir qui c'est qui est avant, qui c'est qui est après dans le choix de la plante, c'est pas si évident, hein, puisqu'en fait, les vaisseaux sont continus sur cet œil-là, autant que sur cet œil-là. L'avantage, par contre, qu'on va pouvoir y trouver, c'est que donc on avait un courson l'année dernière, où on a eu une sortie avec le premier et la baguette, et on se retrouve ici à choisir le courson après la baguette. Ok. Donc là, l'ancrage de celui-là est ici sur celui de l'année dernière encore. D'accord ? Donc là, on a un petit chicot de la baguette de l'année dernière. C'est pas facile à dessiner parce qu'à chaque fois il y a plein de couches. Hein. Donc ça c'est le chicot d'il y a 2 ans qui nous a fabriqué un œil ici pour faire un œil ici pardon pour faire le courson et la baguette de l'année dernière on l'a supprimée. La baguette de l'année d'avant on l'a supprimée. Elle est là, on a laissé un chicot. D'accord. Donc ça c'est le courson qu'on a laissé l'année dernière pour faire le courson et la baguette. Et il va falloir se poser la question de comment on fait le courson pour cette année. On en est là. Si je pousse ici, je fais une nouvelle pousse et là j'ai mon courson que je souhaite ici et ma baguette qui va se fabriquer ici aussi. Ok, bon, pardon, tac. Donc on va supprimer l'ancienne baguette. Alors on va la supprimer en laissant bien sûr, comme d'habitude, un chicot de dessèchement parce que la base. De ce qu'on a supprimé ici, elle est ici. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que le sarment de l'époque, les yeux de la couronne sont ici, là. D'accord ? Donc quand je supprime la baguette, je retape dans des vaisseaux qui alimentent celui-là. D'accord ? C'est ce qui fait que le guyot, c'est limite. Donc, en faisant ça, j'ai ce fonctionnement-là. L'année d'après, si j'ai interverti le courson et la baguette, je me retrouve dans cette situation-là. Un an, puis les sarments poussent ici, donc on a un grossissement en diamètre, hein, et on se retrouve avec de nouveau. Ça correspond au sarment. D'accord ? De nouveau une couche supplémentaire ici, et de nouveau. Finalement, une couche supplémentaire ici avec un bourgeon qui va pouvoir partir pour l'année prochaine. Ok. Bon, quand on va supprimer la baguette, l'avantage que l'on a ici, quand on va supprimer la baguette, c'est que on a toujours le cône d'insertion. On a toujours le cône d'insertion ici, puisqu'on va en enlevant la baguette. Supprimer entièrement ce sarment. Donc on va pouvoir ne pas faire de chicot et on va pouvoir couper ici sans faire de chicot à ras au-dessus des yeux de la couronne.
D'accord. Et donc, la seule chose qui va pouvoir pourrir, c'est quelque chose qui correspond à ce V-là. Et donc, on aura un chicot mort comme ça. Mais par contre, tout le tour de cette partie-là restera vivant. C'est-à-dire que la sève, elle va pouvoir faire comme ça, faire le tour ici et continuer à alimenter le futur qui est ici, là. D'accord ? Donc, on va pouvoir avoir probablement un recouvrement et donc un flux de sève qui va pouvoir être continu ici. Chose que l'on n'a pas ici, puisqu'à chaque fois que quand on coupe, on va dessécher jusqu'à la base ici. Alors qu'ici, ça va s'arrêter ici, ça ne va pas aller jusqu'à la base de celui-ci. Donc j'aurai un flux de sève continu ici. De cette manière-là. Parce que ça allonge davantage. Puisqu'on choisit toujours le deuxième œil franc dans ce cas-là. Mais on pourrait décider de faire ça. Si on n'a pas de problème d'allongement, on pourrait toujours décider de mettre le courson après la baguette sur le courson. En se disant que comme ça, on fait des plaies moins mutilantes sur notre guyot. On laisse le chicot parce que justement, on veut limiter la vitesse de dessèchement des vaisseaux ici qui alimentent le futur là. Et donc, si vous ouvrez, vous allez le voir systématiquement que le dessèchement des baguettes rentre de manière très importante. Donc vous avez soit la solution d'allonger et d'accepter d'avoir les yeux de la couronne tout le temps qui fait que ça recouvre, mais vous allongez plus, mais vous allongez quand même pas mal plus. Toujours le second œil franc, vous allongez quand même pas mal plus. Mais vous avez aussi la possibilité, une solution intermédiaire. C'est la solution qu'avait inventé Reynolds de Desemeris. C'était cette solution, essayer de faire en sorte de ne pas supprimer la baguette d'un seul coup. C'est-à-dire que lui, ce qu'il avait imaginé, c'est que la baguette qui avait fructifié une année et qui avait fait ses sarments, assez classiquement, donc cette baguette, elle est ici, on a le courson avec des bois aussi sur le courson. Ok, on a la baguette de l'année dernière à enlever. On sait que si on enlève la baguette de l'année dernière, on avait réduit une première fois ici pour faire un courson qui nous avait fabriqué un courson et une baguette, d'accord ? Réduit une première fois en longueur. Si on recoupe ici, on réduit une seconde fois en longueur. Donc les vaisseaux se dessèchent ici et là de nouveau on recoupe et là les vaisseaux vont se dessécher ici et gêner la circulation de sève dans notre futur. Donc ici, si on fait ça de manière plus transitoire, Reynolds Desemeris, il s'est dit, à chaque fois que je fais une baguette, j'ai du dessèchement qui rentre à l'intérieur. Comment puis-je faire pour limiter ce dessèchement ? Il s'est dit, je vais laisser ma baguette vivante. Donc, au lieu de couper ici et de laisser un chicot, en laissant une fois et demi le diamètre, en se disant, ben, ça limite le dessèchement à l'intérieur, il a vu que ça ne marchait pas. Il a vu que ça ne suffisait pas parce que le dessèchement rentrait quand même et empêchait. Il s'est mis à couper ici et à laisser les yeux de la couronne de ce sarment là. Donc il s'est mis à laisser en quelque part un chicot plus long et vivant de la baguette de l'année dernière. C'est-à-dire que ce chicot là, le printemps d'après, va se retrouver à faire des pampres. Ouais. Oh, ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Là ça va faire des pampres. Hein. Ça va faire des pampres ici, là. Donc, c'est-à-dire que il faut, de manière inéluctable, avoir la main d'œuvre pour enlever ces pampres à cet endroit-là. D'accord ? Mais, pendant que ça pampre, ça veut dire que la sève continue à circuler ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les vaisseaux qui sont ici ne dessèchent pas et qu'on continue à avoir quelque chose de fluide pour alimenter notre futur pendant un moment. Puisqu'on va finir par épamprer, 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 et au bout d'un moment, cette partie-là va mourir, hein, puisqu'on va les pamprer une fois, la plupart du temps ça suffit. Des fois ça peut ressortir à cet endroit-là, mais c'est que les yeux de la couronne. Hein. Il n'y a pas de bourgeon franc. Hein. La plupart du temps, ça va pamprer qu'une fois parce qu'en fait tout le flux de sève va se retrouver à aller dans la baguette, à faire démarrer le reste là-bas. Donc c'est pas comme s'il y avait un bouchon là. Hein. Mais le fait que ça sorte ici, ça laisse cette partie-là vivante un moment. Forcément, celui de l'année d'après, on va le retrouver ici avec les yeux de la couronne de l'année dernière. Et ça,
c'est mort de l'année dernière, on va le supprimer. Puisqu'on est toujours un espèce de chou-fleur qu'on a laissé de la baguette de l'année d'avant. En fait, c'est juste qu'on va supprimer la baguette en deux temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour le flux, si t'en fais, c'est moins traumatisant. Ce qui est moins traumatisant, c'est que tu te retrouves avec plus de flux pour alimenter ta baguette. D'accord? C'est-à-dire que tous les ans, tu te retrouves à gagner un petit peu de réserve à un moment donné où tu en as vachement besoin. C'est juste ça que ça fait. Finalement, sur l'impact des dessèchements, tu finiras par avoir la même puisque tu l'enlèves quand même ta baguette. Tu vois ce que je veux dire? Mais pendant un moment, tu vas laisser ces vaisseaux-là fonctionnels. Et ce monsieur des Émeris, c'est juste avec cette taille-là là, qu'il s'est retrouvé à avoir des plantes qui résistaient au phylloxéra. Pour vous dire l'impact des réserves sur la capacité des plantes à lutter contre les maladies. Les insectes, comment ils fonctionnent? Est-ce que les insectes, ils piquent par hasard les plantes? Est-ce que les insectes, ils volent et ils disent « Oh, ben, je suis proche de celle-là, je pique celle-là. » En fait, ils ne fonctionnent pas comme ça. Parce qu'en fait, les insectes, c'est des espèces d'antennes, hein, des antennes à six pattes, avec sur leur tête, des antennes qui sont des outils à percevoir les plantes qui sont intéressantes pour eux. Donc en fait, par phagodéterrence, on appelle ça, c'est-à-dire que les plantes, avec leurs essences, elles émettent des odeurs et des fréquences. Et donc les insectes, ils ont l'outil à réceptionner les fréquences des plantes. Finalement, ils vivent de ça, donc heureusement qu'ils ont ça. Donc ils ont ces outils-là, et donc ils sont capables de capter à plusieurs centaines de mètres, même on dit à certains insectes à plusieurs kilomètres, des odeurs libérées par les essences libérées par les plantes, ces essences qui sont volatiles, ils sont capables de sentir ces odeurs-là et de se diriger vers des plantes qui vont, non pas accepter, mais qui ne vont pas les repousser. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs chez les hybrides ou chez quelques plantes qui étaient résistantes au phylloxéra, c'est-à-dire que la plante sécrétait tellement de tanins qu'elle arrivait à se défendre et à empêcher ce puceron-là et cette maladie-là de poser problème et d'empêcher la circulation de la sève. Et en fait, moi je pense que chez la flavescence dorée, c'est un peu la même chose. Cette idée de flavescence dorée, c'est que l'insecte qui est la cicadelle, je n'ose que croire qu'elle ne va pas piquer au hasard. Certes, il y a des endroits où il y a plus de cicadelles parce qu'on est dans un endroit où le foyer de reproduction est favorable. Donc on a plus dans des endroits que dans d'autres. Mais par contre, à mon avis, la cicadelle, elle va pas piquer au hasard. Et une plante qui a beaucoup de réserves va se défendre beaucoup mieux contre ce genre de d'attaque. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, ça me passionne, mais j'ai pas le temps de me préoccuper de ça. Puis je suis pas entomologiste, mais je me dis que si on se posait davantage de questions sur qui sont les maladies, en fait, quels sont leurs rôles dans l'environnement, peut-être on leur dit, mais il n'y a pas forcément un rôle. Le phylloxéra, il n'y a pas forcément un rôle. Ou le phytoplasme de la flavescence dorée, il n'y a pas forcément un rôle. Bon, ok. Bon, ben moi, pour moi, il y en a quoi. Il n'y a pas de hasard dans la nature. Ça, c'est un système global de fonctionnement qui s'est mis en place, mais depuis bien longtemps avant l'humain quoi. On voit justement ces équilibres incroyables qu'il y a sous les tropiques. Je veux dire, c'est quand même hallucinant de penser qu'on découvre encore des milliers d'espèces tous les ans, alors que on passe notre temps à essayer de les étudier et regarder quoi. Donc c'est bien qu'il y a une capacité à accepter de la biodiversité et des choses fines et des équilibres hyper fin qui est magique quoi, la vie est belle quoi, hein. Spécial dédicace à Hervé Covès quoi, moi je suis vraiment mais complètement convaincu qu'il y a quelque chose de super fin dans cette recherche d'équilibre et que c'est une direction passionnante pour le vigneron ou pour l'agriculteur de se dire moi je vais vers de la stimulation de biodiversité pour essayer de régler mes problèmes. Ouais, c'est autre chose que de se dire bah, je vais carapater, essayer de sceptiser pour que ça se passe bien. Je trouve que c'est plus logique le rapport maladie de plantes avec plantes et remèdes de plantes que de balancer tous ces produits chimiques qui ne font qu'engendrer des successions de problèmes. Alors là aussi, on a peut-être au stade expérimental, hein, enfin sur la vigne. Hein, parce qu'après, les plantes, nous aussi, l'être humain, il se soigne mieux avec les plantes depuis la nuit des temps
que certains antibiotiques et qui sont de plus en plus résistants. Ce qui est compliqué là-dedans, il y a un truc très compliqué. Moi, je partage ton avis, mais ce qui est compliqué là-dedans, c'est que on ne peut pas avoir de preuves avec les substances naturelles. Pourquoi on ne peut pas avoir de preuves? Parce que dans un purin d'ortie ou dans une tisane, des composés chimiques, il y en a entre 5 et 500 différents. Donc en fait, on ne peut pas comprendre l'impact des composés chimiques indépendamment sans faire le lien entre un composé chimique et un autre qui génère quelque chose. Je parle de plante encore, hein, chimie dans la plante. Hein, parce que chimique, c'est un drôle de mot. Quoi. Pourquoi on n'utiliserait pas chimique pour... C'est OK, hein, d'accord. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne peut pas breveter et on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas théoriser parce que chaque sol est différent, chaque plante est différente, chaque purin d'ortie est différent, chaque moment où on pulvérise est différent. Alors que sur une molécule de synthèse, on a une molécule. On cherche à la comprendre, on la comprend, très mal, mais on cherche à la comprendre, on n'en a qu'une à regarder. D'accord ? Donc on peut prouver en quelque part, on peut faire comme si on prouvait. Voilà. Mais oui, mais c'est bien ça le truc. Donc en fait, c'est pas reproductible systématiquement. C'est pas parce que la voisine, ça fonctionne bien sa biodynamie, voilà, que si tu fais exactement cette chose-là d'un coup chez toi, ça va bien fonctionner. Parce que c'est tout un processus en fait, ça va mettre du temps à s'installer tout ça. Dans quel état est ton sol, hein? Dans quel état est ta vigne? Depuis combien de temps tu as arrêté de mettre du désherbant sur le sol? Tout ça, ça a un impact global. Hein? Quelle reproduction on recherche? Quelle reproduction on recherche? Et quelle production on recherche, évidemment.